matin dans la présence de notre Dieu, nous sommes un culte. Yahvé, notre Dieu, mérite l'adoration. C'est pour ça que tu as ouvert la bouche et adoré ton Dieu. Ouvre la bouche et adore ton Dieu. Shabaoth, l'Éternel, le Dieu des armées. Jehovah Shammah, l'Éternel qui est ici. Il est tellement présent. Notre Dieu mérite l'adoration. Dieu tout-puissant, mon cœur considère tout. Thank you.
Jésus qui soit roi. Que notre le nomme aurait plus que ta pour moi. Quel beau nom, quel beau nom. Déclare en sa parole tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Et en ce nom tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu vas bénir le nom de ton Dieu. Encore lève la voix et bénis le nom de ton Dieu. Choses selon ta volonté. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. On dit amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Il y a quelqu'un qui veut te bénir. Il y a quelqu'un à côté qui veut te bénir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Comme un culte, comme pas des cultes, c'est l'adoration à l'Éternel, notre Dieu. Ce n'est pas un programme de délivrance, c'est un culte à l'Éternel. Nous avons décidé comme ça de faire les cultes tous les dimanches. Et ici, c'est le cabinet, notre champ d'opération, c'est Zaroko. Ce qui va désormais caractériser Zaroko, c'est tous les vendredis, il y aura des veillées de prière. Les malades sont internés là-bas. Ici, c'est un cabinet de culte. Nous avons décidé de faire des cultes tous les dimanches à partir de 9h. Et tous les mercredis soirs, il y aura des séries d'enseignements à partir de mercredi soir à 19h. Ici, il y a des enseignements mercredi et jeudi. Vendredi, nous serons à Zaroko pour les veiller. Dimanche, il y a des cultes ici. Il en aura aussi des cultes ici à Zaroko pour ceux de Zaroko. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Tu as quelqu'un que Dieu te bénisse. Je t'ai pas entendu dire. Amen. C'est toute la brigade au complet. Dis amen. Amen. Le premier culte, en fait, le premier dimanche du mois. C'est comme ça, Zaroko et Divo seront tous ensemble. Et juste après ce culte, nous avons fait un point du mois passé. Afin de projeter des choses dans l'avenir. Et juste après ce culte, on a décidé de faire un agapé et ils vont retourner à Zaroko. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. J'aurai l'occasion d'enseigner tout à l'heure, de donner des messages. Il y a quelqu'un, tu es béni. La petite là-bas.
Ce contrat, qu'est-ce que tu as fait à ton contrat? Elle m'a dit que de faire en sorte que ce serveur bouffe l'argent du père. Elle a fait quoi? Elle a mis le serveur dans le corps du père. Et elle m'a dit que de faire que le serveur bouffe l'argent. Vous avez saisi ce qu'elle a dit? Parlez un peu fort. Pour ceux qui viennent d'arriver, notre spécialité, c'est la destruction des œuvres, la sorcellerie. Et quand je me réveille un matin, j'ai dit à Satan, je suis prêt à t'attaquer. Quand je me réveille un matin, j'attaque la sorcellerie. Voilà, chaque homme de Dieu a sa grâce. Notre spécialité, c'est la destruction des œuvres, la sorcellerie, que le mal cruel de l'Afrique. Et nous avons des méthodes qui marchent d'ailleurs. Les aveux, après les aveux, la délivrance. Vous savez, tout à l'heure dans le bureau, vous avez votre maman dans votre poche. Votre mère. Elle est là. Vous me regardez, ça vous paraît étrange. Non, je parle aux gens qui me regardent. On va vous délivrer. C'est l'heure de votre délivrance. Touchez un peu votre rein. Quelque chose va se produire ce matin pour votre délivrance. Je suis convaincu que quelque chose va se passer. Vous êtes là, vous vivez avec les démons, vous êtes là au marché, pourtant les esprits sont avec vous. Je m'entretenais avec une de mes filles ce matin, difficulté. J'ai dit, si tu vois qu'il y a difficulté quelque part, peut-être ton mari, il faut comprendre que c'est les démons. Même les conseils ne pourra pas apporter. Tu vas beau faire, tu vas beau conseiller des gens. Quand tu sais que tu as conseillé, tu as donné des conseils, que tu as trouvé tous les moyens possibles, que ça n'a pas marché, il faut attaquer la prière. Il faut mettre ça dans la prière parce qu'il y a problème de démons. Lâchez-le. Lâchez ses reins. Il faut les laisser. Maintenant, oui, laisse-le. 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 Allez. Tu vas les laisser. Cette vie appartient à Dieu. Cette vie appartient à Dieu. Tu vas le laisser. Tu vas le laisser. Tu vas le lâcher. Au nom de Jésus. Tu vas le lâcher. Seigneur et sa délivrance. Oui. Mon enfant, je m'en vais aujourd'hui. Mon fils tapé, je vais aujourd'hui. Amen, arrache là-bas. Tu dis que tu as refusé. Voilà pourquoi tu vas souffrir. Tu ne connais pas. Je t'ai touché, tu ne connais plus. Est-ce que tu ne connais pas? Comme ça, tu souffres. Tu dis, tu n'as rien fait pour moi. Ma tombe là, tu ne le tapes pas. Tu n'as pas entretenu. Comme cela. Tu vas mourir. T'as menti. C'est moi qui t'attaque. Mais tu vas le laisser. C'est moi-même qui t'attaque. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas le lâcher au nom de Jésus. Amen. Tu as la chance. Tu as la chance. Tu as la chance. Sinon, tu allais mourir. Même tes enfants n'ont pas réussi. C'est moi qui l'attrape. Tu dis que tu ne me connais pas.
tu me connais pas. Un grand mambo. Tu t'as accouché. Un carré pour me gâter. Tu as un. Un carré pour me gâter. Amener dans ta lèvre. Toi. Une nuit. Tu ne me connais pas. Quoi, ma femme, me la laisse pas, bro. Je t'ai dit d'amener à la chisse, ma femme. Tu as refusé. Tu as refusé. La Gondia. Tu dis, tu connais Dieu. La Gondia. Dieu. Toi. Tu as la chance. Je ne vais pas le faire. Si tu veux, il faut saluer l'homme de Dieu. Si tu manges, il faut le saluer. Il faut le saluer. Voilà, maintenant lâche-le. Va-t'en. Va-t'en. Allez. Feu. Allez. Feu. 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 Allez. Feu. Au nom de Jésus. Feu. Allez. Allez. Feu. 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 Tu vas le lâcher maintenant. Maintenant, tu vas le lâcher. Lâche-le au nom de Jésus. Lâche-le au nom de Jésus. Lâche-le au nom de Jésus. Tu faisais, tu travaillais, tu faisais quoi? Maintenant. Tu as fait quoi même? Tu t'en fous de moi. Pourquoi, tu t'es dit d'amener ce matin. Tu vas le lâcher. Tu vas le lâcher. Tu vas le lâcher. Tu vas le lâcher. Au nom de Jésus. C'est un ordre. Au nom de Jésus. Lâche-le. Au nom de Jésus. Lâche-le. Dans le nom de Jésus. Lâche-le. Dans le nom de Jésus. Voilà, quitte. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Feu. 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 Au nom de Jésus. Allez. Au nom de Jésus. Feu. Au nom de Jésus. Feu. Au nom de Jésus. Lâche-le. Au nom de Jésus. Lâche-le. Au nom de Jésus. C'est un ordre. Lâche-le. Au nom de Jésus. Lâche-le. Au nom de Jésus. Allez, je ne vais pas. Tu vas partir. Tu vas partir. Au nom de Jésus. Montre-moi. Si je vais aller, mais laisse à qui? Hé, hé, ne discute pas avec toi, va. Quitte ce corps. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte ta vie. Au nom de Jésus. Quitte ta vie. Au nom de Jésus. Je t'envoie dans la mer. Au nom de Jésus. Tu quittes ta vie. Au nom de Jésus. Tu quittes ta vie. Au nom de Jésus. Tu quittes ta vie. Au nom de Jésus. Tu vas bouger. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Maintenant le feu sur toi. Au nom de Jésus. Feu. Au nom de Jésus. Feu. Au nom de Jésus. Feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas quitter au nom de Jésus. Quitte la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Au nom de Jésus. Le feu. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Feu. 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 Au nom de Jésus. Feu. Au nom de Jésus. Allez. Au nom de Jésus. Lâche-le. 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 Au nom de Jésus. Quitte. Lui. De le laisser. Oui, tu vas le laisser. De le laisser. Lâche-le. Tu t'amuses. Lâche-le. Cette vie appartient à Jésus. Au nom de Jésus. Cette vie appartient à Jésus. Dieu libère. Dieu le libère maintenant. Où je suis la travail à venir. Lâche-le. 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 Tu m'entends? Lâche-le. Voilà, feu sur toi. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus. Lâche-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne le laisse pas. Lâche-le. Ne laisse pas. Lâche-le. Je ne vais pas. Le 2 novembre, toi, tu allais rester là, mort. Toi, c'est le sacrifice des esprits dans la famille. Tu allais dormir le 2 novembre. Tu allais plus te réveiller. Et cette fois, la nuit au nom de Jésus. Lâche-le. Tu vas partir. C'est un ordre. Au nom de Jésus. Va-t'en. Va. Au nom de Jésus. Va-t'en. Au nom de Jésus. Va-t'en. C'est un ordre. C'est un ordre. Au nom de Jésus. C'est un ordre. Au nom de Jésus. Quitte ta vie. Au nom de Jésus. Feu. Au nom de Jésus. Feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-le.
au nom de Jésus. Lâche-le. Au nom de Jésus. Lâche-le. Au nom de Jésus. Avec ta misère. Avec Jésus. Allez, va-t'en. Ah, au nom de Jésus. Va-t'en. Au nom de Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Allez. Ah, ta vie. Ah, oui, Jésus. Va-t'en. Au nom de Jésus. Va-t'en. Au nom de Jésus. Que Jésus est monté à la croix. Il ne sera plus ton esclave. Car Christ a vaincu à la croix. Et tu quittes désormais sa vie. Tu la quittes, tu le lâches totalement au nom de Jésus. Tu le libères. Et toi, serpent, qu'on introduit dans son corps pour détruire ses finances, rentre et va-t'en. Jésus! Rappe comme les serpents. Allez, rappe. Au nom de Jésus. Allez, rappe. Au nom de Jésus. Allez, rappe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rappe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rappe. Au nom de Jésus. Allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce monsieur sera délivré. Au nom de Jésus. Il va recevoir son argent. Au nom de Jésus. Il va mourir dans la richesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a appauvri une misère sans nom. Mais aujourd'hui, il sera délivré dans le nom de Jésus-Christ. Rappelez-le, c'est pas au nom de Jésus. Allez, va-t'en. Au nom de Jésus. Va. Au nom de Jésus. Rappe et va. Au nom de Jésus. Rappe. Au nom de Jésus. Va. Dans le nom de Jésus. Rappe. Dans le nom de Jésus. Vous voyez qu'on parle de serpent sur le dragon. Va-t'en. Au nom de Jésus. Va-t'en. Au nom de Jésus. Va-t'en. Au nom de Jésus. Va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rampe et va. Au nom de Jésus. Rampe. Au nom de Jésus. Je vous assure, ce monsieur-là va mourir dans la richesse. Amen. Voilà. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
miracle. Amen. Je vous assure, je suis le genre de... Je ne dis pas les paroles comme ça. Mais tu... Non, laissez-moi parler. Ok? Dieu vient de vous délivrer. Sois-tu là-bas. Avant d'entrer sur cette terre, nous serions très riches. Dis-moi par Amen. Peut-être que pas par les événements. Non, mais c'est ça le miracle. Dieu vient de vous délivrer d'une situation. Et c'est ça qu'on appelle le miracle. C'est qui dépasse la compréhension humaine. C'est qui est imaginable. C'est ça qu'on appelle le miracle. Et Dieu vient de nous faire sortir d'une situation. Ça va? Je ne comprends pas. Qui t'a donné la sorcellerie? C'est tonton. Tu es devenu sorcier, c'est ça? Oui. Tu as gâché quoi dans la famille? Ceux qui viennent d'arriver vont arriver. Nous, c'est notre spécialité. De toute façon, le chirurgien, il décide d'opérer les gens. Le dentiste, lui, tes dents. Nous, ici, là, ça fait de sorcellerie. Même si c'est culte, nous, on règle un peu de sorcellerie. Moi, je n'aime pas un peu de sorcellerie. Là où ça est, là, je règle ça. Si c'est dans le village, je vais désembouter les gens. Parce que c'est le problème, notre problème, c'est le problème de sorcellerie. Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Hein? Viens, c'est son frère. Qu'est-ce que tu as gâché dans la vie? S'il vous plaît. Avec qui ici? Madame quoi? Viens. Elle est là, viens. Tu connais ton don, tu as fait. Hein? On a donné la sonore. Hein? Le dimanche, je vais prêcher dans le micro. Il va avoir mon cœur ici. Il t'occupe de ça. On a clamé. Elle va envoyer son nom. C'est comme ça, quand tu vas faire, Dieu va te bénir. Dieu va confondre toutes les petites qui tournent autour des... Amen. C'est une offrande d'alliance. Amen. Pour stabiliser ton foyer. Voilà. Les sorciers, là, Dieu va les chasser. Amen. Amen. Voilà, donc on a besoin de sono. Le dimanche, il doit prêcher dans le micro. Il doit avoir des baffes ici. Voilà, tu dois m'envoyer ça comme offrande à l'Éternel. Allons-y. Il y a quelques fois, il va avoir de l'argent. Qui? Hein? Il avait de l'argent. Le premier jour, il avait. Parle fort. C'est pas de nos fautes, hein. Tu n'as pas de micro. Voilà, donc on fait avec. Le jour que il a eu l'argent. Le jour que ton frère a eu l'argent. Le jour que mon frère a eu. Comment tu as su qu'il a eu l'argent? Quand il est rentré à la maison. Tu as su ça? Oui. Parce que tu avais un pouvoir. Une chose d'interdit pour qu'on va plus. Quand ce sorcellerie, tu n'as pas pouvoir. Hein? C'est grâce au pouvoir de la sorcellerie que tu as su. Je suis en train d'interdit pour qu'on va vite. Tu as su qu'il a eu l'argent. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai voulu que quand il ait l'argent. Hein? J'ai voulu que quand il ait l'argent. Ah, d'accord. D'accord. J'ai voulu que quand il ait l'argent, il fume, il boit l'alcool. Ah, d'accord. Quand il ait l'argent, qu'il fume, qu'il. Voilà, il boit l'alcool. Mm-hmm. Tout ce qu'il va avoir l'argent, qu'il va avoir des millions, il doit être toujours dans ma vie. Donc, c'est toi qui as fait. Comment tu t'es arrangé? Il était à l'état de maison, mais il a gardé l'argent en bas des lits. Il a gardé l'argent en bas des lits. Tu as su, c'est ça? Hein? Tu vas être caché la vue. Oui, allons-y. Il a mis l'argent en bas des lits. Il a mis l'argent en bas du lit. Et quand je suis parti, j'ai pris l'argent. Tu as pris l'argent, oui. Et j'ai déposé l'argent de demain. Oui. J'ai rangé ça en cigarette, en billet. C'est ça. Puisque quand il va avoir de l'argent, il va parler de ça toujours dans ma vie avec mes amis. Vous avez compris, non? Cet argent-là, il dit, si le jeu va dépenser, c'est fini. Elle envoie l'esprit des cigarettes, de l'alcool dans sa vie. Et c'est ce qui s'est passé. Mm-hmm. C'est ça, tu bois. Tu as fini avec ça. Il te prend la maison. Il te prend la maison. Vous voyez que quoi, sorcier, il gâte, il a gâté. Quand on me dit que c'est sorcier, tu fumes. C'est un volcan. Tu quoi encore? Ah, ton grand frère, oui, viens ici.
On dit qu'il a participé à karaoké final l'année dernière, c'est ça? 2012. 2012. Voilà. Tu as chanté à la télé tout ça là. Et allons-y. Écoutez très bien, oui. Le 4 novembre. Et puis, quand je venais, ma maman m'a dit que Moïse, il doit mourir. Je pensais que je dois mourir le 4 novembre. Je pensais que je dois mourir le 4 novembre. Elle dit, pourquoi tu veux tuer Moïse? Elle dit, ah, que les filles du quartier sont jaloux de mon grand-père. Les garçons du quartier sont jaloux de mon grand-père. Parce qu'elle n'aime pas la jalousie. Donc elle a tué mon grand-père. Elle est de partir tuer mon grand-père. Tout ça va finir. Au lieu des 4, c'est le 2. Tu lui as donné la révélation tout à l'heure, c'est pas ça? J'ai dit. Toi et mon ami, tu vas parler de ton frère? Non. C'est ça le ministère des prophètes. Pendant que je priais pour ton père, Dieu m'ouvrait l'esprit sur toi. Et le Seigneur m'a dit, le 2, ce monsieur, le jeune homme là, s'il va dormir, je ne réveille plus. Mais il y a ce que le diable révèle. Vous savez, le diable le programme. Hein? Mais nous avons le pouvoir de déprogrammer. Amen. On sera obligé de t'interner. D'accord? Hein? Je m'occupe de ça. Ok? Vous savez, le diable attaque les gens à cause de leur étoile. Il ne faut pas que ça vous surprenne. Le diable attaque les bonnes choses. Donc je suis attaqué, c'est pas que tu es bon. Que le diable t'attaque. Non, on veut me manger. Mais c'est pas que tu es bien qu'on veut manger. C'est tout. C'est parce que tu as une étoile que le diable t'attaque. Mais nous avons le pouvoir en tant qu'église de la déprogrammation. Le diable a programmé, Dieu va déprogrammer. Oui, qu'est-ce que tu as dit? Et ma grand-sœur que j'aime. Il y a une femme qui est dans le groupe là. Elle m'a dit que ma grand-sœur Angèle, elle a parlé une gêne. Il y a une femme qui est dans le groupe. Elle est grosse. Elle dit que ma grand-sœur n'a pas marié un homme riche comme ça. Parce qu'il a l'argent. Elle dit ma grand-sœur n'a pas marié un homme riche. Qu'elle va donner sa fille à le mari de ma grande soeur. Donc ce qu'elle a fait, elle a fait juste que ma grande soeur n'a pas eu le bac. Parce que le directeur, elle a eu le bac, elle est partie sur son dossier, elle est partie, elle est rentrée sur son dossier, elle a vu, et elle a changé de position. Elle dit, elle n'a pas eu le bac. Maintenant, elle a volé le bac de ma grande soeur. En volant, maintenant, quand elle va partir à l'école, vous lui dites, elle n'a pas eu son bac. Et son mari va la laisser, et qu'elle va la laisser, cette femme-là va prendre sa fille pour donner à le mari de ma grande soeur. La grande soeur est où? Elle n'est pas venue. Elle est où ça? Elle est à Abidjan. Elle est à Abidjan. Qu'est-ce que tu as fait encore? J'ai fait que mon frère. Qu'est-ce que tu as fait encore? J'ai fait que mon frère ne travaille pas. Ça va? J'ai fait que mon corps ne travaille pas. Rappelle-moi quelque chose. C'est quand bon? Ça va? Dis-moi exactement ce que tu faisais tout à l'heure. Dis-moi exactement. Oh, c'était. Dis-moi exactement ce que tu faisais. Ça va? La deuxième question, dis-moi exactement ce que tu faisais tout à l'heure. Qu'est-ce que m'a révisé tout à l'heure? Je suis sorti quand il est regardé. Pas ici, non? Oui, je l'ai interpellé. Elle a pris son sexe. Elle a sorti son sexe. C'est pas ce qu'il a dit. Hein? Tu veux être délivré ou mettre ta vie dans la misère, moi? Hein? Donc je suis en train de m'en dire. Je manque. C'est la question que tu poses. Je suis contre toi. Je sais pas quelque chose contre toi. Hein? C'est moi qui te nourris ici. Tu dors chez moi. Je suis pas contre toi. C'est ce que j'ai vu les chambres de l'église. Tu as fait quoi? Laisse-toi un peu d'amusement. Hein? Laisse-toi un peu d'amusement. Je ne peux pas venir te dire que tu n'as pas fait quelque chose que tu as fait. Pourquoi? Je vais te délivrer d'une situation. Parce qu'il y a un démon dans ton sexe. Qui a fait la demande à la dernière fois? C'est toi? Il y a un esprit qui est resté dans son sexe. Ça va aller au fur et à mesure, toi tu vas faire.
délivrance, on apprend un peu, non, ça va, on n'est pas fait. Nous, souvent, on se débrouille, on est venu parfait dans les délivrances. Ben, c'est courant, toi. Toi, ça va être courant dans le ministère. Il y a un démon dans ton sexe. C'est faux ce qu'il dit. Hein? Hé, hey, c'est pas toi qui viens tirer des sirènes des eaux. C'est pas toi qui viens tirer des eaux. Hein? Le démon est là. Je suis en train de faire des délivrances, moi, son sexe. Qu'est-ce qu'il y a comme ça, devant moi?